Donc, euh, quand j'ai quitté euh, de Noël, euh, c'était en avril 2017, et le projet euh, Albin Michel Imaginaire n'existait pas sous le nom Albin Michel Imaginaire, mais Alexis Ménard, euh, qui est le directeur euh, du groupe euh, Albin Michel, avait très envie qu'il y ait de nouveau euh, des vaisseaux spatiaux, des dragons, euh, de la, la, la science-fiction et de la fantaisie assumée chez Albin Michel, en plus de la science-fiction et de la fantaisie qui font déjà. Euh, un peu au grand public, avec Stephen King, avec Bernard Werber, avec Maxime Chattam. Et euh, donc j'avais rencontré euh, Alexis euh, en début d'année, je crois. Et quand j'ai quitté Noël, je, ben, je l'ai recontacté, je lui ai demandé où était le projet, est-ce que c'était toujours en étude et tout. Et on a commencé à travailler sur ce projet euh, plus précisément, c'est-à-dire euh, commencer euh, à parler de texte, à parler d'auteur, à parler de budget, à parler de coût de traduction, euh, d'objets livres, quel format, quel prix euh, et quel type de couverture. Donc, tout ce travail-là nous a pris euh, 3-4 mois. Euh, j'ai fait les offres euh, en mai-juin euh, 2017 sur les premiers titres, qui étaient American Elsewhere, Anathem, Les Étoiles sont Légion. Et, euh, et non, le Peter Fenery s'est venu après. Et euh, euh, après, j'ai pris des vacances. Une fois que j'avais négocié tout ça avec les agents, je suis allé en Écosse, je suis allé voir Peter Flannery, euh, j'ai rencontré, je ne connaissais pas. On a discuté de son livre, il me l'a donné. J'ai dit, bah, écoutez, je vais le lire, je vous tiens au courant. Et puis, euh, quand je suis revenu à Paris, euh, j'ai filé le livre à mon patron en lisant, euh, faut vous lisez ça, euh, Alexis, vous allez voir, c'est de la fantaisie euh, épique euh, avec un E majuscule. Et, euh, et donc, j'avais avais proposé Anathem, j'avais proposé un American Elsewhere, j'avais proposé un certain nombre de livres, Les Étoiles sont légion et d'autres. Et il m'a dit oui, non, celui-là j'aime beaucoup, celui-là j'aime moins, celui-là on ne va pas le vendre, c'est pas commercial, etc. etc. Et euh, ça s'est construit sur des mois à partir de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allées, de, de retours, de discussions. Euh, le, ça ne surprendra personne, mais le gros le titre pivot, le truc autour duquel tout s'articule. C'était un athème de New Stevenson, c'était impensable de se lancer sans un, sans un titre de cette catégorie-là, avec ce pedigree-là. Donc euh, bah, une fois qu'on a eu le feu vert sur ce titre-là, euh, le, le reste a suivi. Alors euh, l'acheter c'est quasiment ce qui est plus simple, hein. après il faut le faire traduire, là c'est là que ça devient extrêmement compliqué. Voilà, comment comment c'est passé. Après, euh, avec Alexis, c'est un jeu. Euh, là, il est là, il est présent dans et c'est un jeu de. Euh, voilà, j'ai lu ça, Alexis. Est-ce que vous voulez le lire euh, Moi, je trouve ça bien. Euh, Est-ce que voilà, on, on parle énormément des textes, ce qui est assez étonnant parce que d'habitude, on n'a pas ce type de, de discussion avec des gens qui sont euh, euh, directeurs de groupes éditoriaux. Donc, il y avait euh, Anathème, c'était. Incontournable, c'était le truc sur lequel autour duquel je voulais, euh, je voulais euh, articuler mon ensement. Donc, euh, <coughs> ce livre-là, parce que euh, je considère que c'est un livre aussi important que *Dune* ou *Hyperion*, que c'est un chef-d'œuvre de science-fiction et, euh, et que je trouvais absolument impensable que ce soit pas traduit en français. Il y en a un autre. Comme ça, qui est pas traduit en français, c'est Dalgren de Delany, c'est aussi impensable, mais les droits ont été acquis par un éditeur français depuis longtemps, par une éditrice, et donc euh, ce n'était pas possible d'ahlgren, donc il fallait autre chose, donc j'ai choisi Anathème. Euh, Anathème, c'est un petit peu le nom de La Rose, 4000 ans après une apocalypse nucléaire, c'est. L'histoire de, de savants qui sont enfermés dans un. Ce pas un monastère, c'est un minster C'est un endroit où on étudie la philosophie et les mathématiques, où chaque personne n'a le droit qu'à trois objets. Une chape, c'est-à-dire une robe de, de moine, quoi. une cordelière, donc c'est une ceinture, et une sphère. Un truc, ils peuvent en faire un oreiller, un bouclier, un matelas pour dormir, etc., etc. qui est fait en, en néomatière. Et on va suivre euh, ben, un moine, s'appelle Frère Erasmus. Ce n'est pas, pas vraiment un moine, il s'appelle un avou. Euh, un moment où il se passe un truc très étrange dans le ciel. Euh, et un, un moment où son mentor va être l'équivalent d'excommunier, il va être anathémisé, il va être jeté nu hors du, du monster. Et euh, donc c'est une, une aventure incroyable philosophique sur 1300 pages, sur une planète étrangère qui s'appelle Arbre, où euh, la philosophie, les 7000 ans de philosophie humaine, etc., Ni euh, bah, euh, Stevenson les, les visite avec un humour euh, dévastateur. C'est assez génial donc, j'avais ce livre-là, qui était euh, au centre, et donc ça, c'est euh, de la science-fiction, pour les lecteurs de science-fiction. Je voulais une fantaisie, et je voulais une fantaisie que les gens chez Alba Michel puissent lire, c'est-à-dire une fantaisie qui soit sans prérequis, qui soit euh, un livre de fantaisie où il ne faut pas avoir besoin d'en avoir lu 40 pour apprécier le livre. Donc, ça semble étrange, mais quand on regarde ce qu'on propose aujourd'hui des agents en fantaisie, ils proposent principalement, principalement des livres qu'on appelle Grim Dark, ce sont des livres très sombres très dur, globalement il y a assez peu d'espoir avec des anti-héros ou, ou des anti-héroïnes et tout ça est extrêmement violent et dépressif et, euh, et comme j'ai vu que c'était une espèce de, de mode euh, j'ai décidé le contre-pied total Décider de choisir un livre qui ne soit pas Grimdark, qui soit de la, la fantaisie classique avec le bien, le mal, un héros, une montée en puissance. C'est très Harry Potter. Il y a, il y a, donc dans Mages de Bataille, il y a trois personnages. Il y a Falco Dante, qui est le personnage principal, qui a évidemment des pouvoirs de Mages de Bataille. Il y a euh, Brina, euh, qui est la petite amie de son meilleur ami, qui est Malaki, qui est le fils de forgeron. Et, euh, et on peut voir Harry Potter, Hermione et, et Ron. Il n'y a pas de problème, <laughs> ça marche aussi comme ça. Et on va suivre ce, tri, ce trio-là. Euh, en guerre contre une espèce d'armée de zombies qui s'appelle les possédés. Et c'est euh, la fantaisie épique euh, au carré, euh, des batailles gigantesques. Le tome 2, c'est quasiment euh, les 300 dernières pages, c'est une bataille ininterrompue. Enfin, Il y a une volonté euh, de raconter un truc énorme et euh, bon, j'adore ce, ce type d'ambition. Euh, en plus ça parle d'amitié, ça parle de foi, ça parle, ça parle mais pas de foi d'un point de vue religieux, de foi en soi, de d'élégie, de, 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 de se sortir de ses problèmes.